Yo tout le monde, c'est le guide Minecraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, qui dit mercredi dit tuto. Et donc, ce tutoriel il est vraiment super pratique. Si vous avez mis votre téléphone en mode silencieux, vous voyez ici, et que vous l'avez mis quelque part et vous ne pouvez pas le retrouver, et bien cette technique elle marche à tous les coups, même si c'est silencieux ou pas, ça marche. Donc les amis, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lâcher un max de pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. On commence tout de suite. Bon les amis, cette appli, elle est déjà disponible sur les téléphones et iPad. Elle s'appelle Localiser, vous ne pouvez pas la supprimer, vous voyez. Donc vous rentrez dedans. Et pour ça, vous devez connecter votre appareil, les deux. Le téléphone et l'iPad ou l'autre appareil, ils doivent être connectés au même compte. Et donc, par exemple, imaginons je l'ai mis en silencieux, et donc ils doivent être aussi connectés à l'internet ici, émettre un son, et vous attendez. Donc, il y a sur... Vous entendez? Alerte localiser mon iPhone. Ok. Donc, ça suffit maintenant. Et donc, il y a aussi l'itinéraire. Par exemple, si un mec qui vous a pris votre téléphone, vous mettez l'itinéraire. Comme ça, vous pouvez aller. Et si vous ne savez pas il est où, et ben, ça vous permet de le localiser. Donc les amis, c'était un petit tuto pour que vous sachiez comment. Moi, quand j'ai reçu mon iPad en 2015, quand j'avais encore 7 ans, je n'avais que l'iPad tout seul, donc je ne trouvais pas l'utilité vu que je n'avais qu'un seul appareil. Et donc moi, au début, même moi, je ne savais pas comment l'utiliser, comment faire pour retrouver mon iPhone perdu. Je cherchais des tutoriels sur YouTube, je me cassais la tête, mon gars. Il y avait un mec, carrément, il nous disait... Amenez un autre téléphone et appelez votre téléphone. Si t'as pas un numéro de téléphone sur le tien, il a dit amenez une radio portable. Comme ça, les ondes, quand vous approchez de votre téléphone, ça fait une vibration et tout. Mais bon, cette appli, elle est beaucoup plus pratique. Je l'ai utilisée et elle a marché. Ça, pour ne pas vous compliquer la vie, vous utilisez cette appli et hop, c'est terminé. Elle est disponible partout, sur tous les trucs. Surtout les trucs iOS, pas sur les Android. Mais bon, sur les Android, vous pouvez utiliser une autre appli, je pense que c'est dispo. Et sur le téléphone, iOS et tout, ça ne s'efface pas, ça reste. Par exemple, regardez, je cherche localiser. Regardez, elle est là, localiser. Et bien, cette appli, elle ne s'efface pas comme vous l'avez remarqué, elle est ineffaçable. Et donc les amis, j'espère que cette vidéo vous plaît. Lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et moi je vous dis, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde, bisous.